Et salut à toutes et à tous mes petits loups, et nous nous retrouvons aujourd'hui sur Siberia Premier du Nom, développé par Benoît Socal, aidé par la société Micro Applications qui sont sur tous ces bails là, on va pas se mentir, et donc aujourd'hui on va se lancer dans une petite séance FR de la suite sibérienne, parce qu'on va tous les faire, donc sous-titrage il n'y en a pas besoin parce qu'il est en full French, moi les loups. Voilà. Et on va lancer une nouvelle partie sans plus attendre. Alors, vous allez voir, c'est totalement féerique pour ceux qui connaissent pas. Vous attendez pas un jeu violent ou très sombre à la Black Mirror ou quoi. Là, c'est plutôt un voyage féerique. Et un voyage qui va nous mener très très loin, comme vous allez pouvoir le constater. Et sans plus attendre, du coup, nous commençons l'aventure de Siberia, premier du nom. Ok, donc début du jeu, nous arrivons à l'hôtel Avaladilem. Donc pour tous ceux qui sont RP à fond ici, vous pouvez choper un petit prospectus de la ville qui va vous expliquer un petit peu voilà, l'histoire des automates Vorarlberg, ceci, cela, qui en est les gérants. Mais bon, on va aussi l'apprendre dans le background. Ça, c'est des petits trucs en plus que vous pouvez lire pour ceux qui sont extrêmement RP. Donc double clic, on court. Voilà, clic droit, on a accès à l'inventaire direct. Donc on prend la petite clé qui se trouve là. Ah oui, putain. Inventaire, hop, on lui colle ça dans le fion, à cet enculé. Parce que tu vas voir que tout est farfelu dans la ville. Hein. Le mec fabriquait des automates, mais il en fabrique pour tout en fait, tu vois. C'est fini, oui. Voilà, voilà, on arrive. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Ma société a dû faire une réservation au nom de Walker, le cabinet Marson & Lormont, pour Kate Walker. Madame Walker, mais bien sûr, vous avez la chambre 6, c'est au premier étage. Merci. Je vais aller voir ma chambre maintenant. Comme il vous plaira, madame. Alors, ensuite, on va voir Momo. Voilà, donc Momo, c'est le petit garçon un petit peu retardé. Bonjour. Retardé, quoi, tu vas voir. Bonjour. Que fais-tu ? Il est louche. Je peux voir ? Non, difficile. Travail de Momo, difficile. Tu t'appelles Momo ? Moi, c'est Kate. Momo fait comme Hans, il dessine. Hans ? Pas dérangé, Momo. Travail de Momo, difficile. Tu me montres ton dessin ? Non, pas terminé, va-t'en. Ok, bon, alors attends. Bon, eh ben, je te laisse travailler. Une fois qu'on a parlé à Momo, faut retourner interagir avec notre valise. Voilà. Oh, vraiment, j'ai plus le courage de porter cette valise. Voyons qui peut m'aider. Donc on va demander au réceptionniste directement. Voilà, du coup, on a une nouvelle tâche, tu vois, qui s'est inscrite dans le carnet. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Un coup de main direct. Vous serait-il possible de monter ma valise, s'il vous plaît ? Excusez-nous, madame Walker, nous manquons à tous nos devoirs. Les clients sont rares. On en oublie les bonnes manières. Alors, c'est vous l'américaine ? C'est donc bien vrai ce qu'on raconte ? Vous venez pour racheter l'usine ?
Pas usine. Maison d'Anna. Maison de Hans. Pardon ? Veux-tu bien te taire, vilain garçon ? Ah, notre petite ville ne vous a sans doute pas fait bonne impression. Vous comprenez, aujourd'hui nous sommes en deuil. Nous avons enterré Mademoiselle Anna. Momo triste. Mais Hans pas mort. Hans loin. Anna racontait à Momo. Anna beaucoup aimé Momo. Ça suffit, Momo. Arrête d'importuner la dame. Allez, disparais. On ne veut plus te voir. Qu'est-ce qu'on disait ? Ah oui, Mademoiselle Anna. Une grande perte pour Valadilen. Vraiment. D'autant que sa mort entraîne la fermeture de son usine. Mais vous êtes ici pour empêcher cela, n'est-ce pas ? Notre avenir est dans vos mains, madame. Anna ? Anna Vorarlberg ? Elle est morte ? Voilà votre chambre. Nous espérons qu'elle est à votre goût, madame Walker. Nous vous laissons vous reposer à présent. Vous allez avoir du travail. Vous savez, pour nous, le rachat de l'usine serait une bonne chose. Nous ne serions pas mécontents de voir de la vie renaître dans notre vallée. Ah, vous auriez connu Valadilen jadis, c'était quelque chose. On venait du monde entier pour acheter les automates Vorarlberg. Ah, on a déposé du courrier pour vous. Bon, si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous ne sommes pas loin, madame Walker. Ok, donc il y a des petits bugs graphiques, hein, c'est normal les gars. Donc là, on va s'emparer rapidement du mail. Ensuite, faut appeler le patron. Donc là, le mail, enfin le fax nous explique qu'on est une avocate qui travaille pour un très grand cabinet d'avocats à New York qui s'appelle l'Universal Toys Company. Et donc, en fait, ils sont chargés du dossier pour le rachat de l'usine de Madame... Je devrais prévenir Marson du décès de Madame Vorarlberg. Voilà, de Madame Vorarlberg. J'espère que ça ne va pas compliquer cette affaire. Donc, je ne me vois pas rester ici plus longtemps. Donc nous, on est envoyés sur le terrain, du coup, pour conclure la vente, en fait, de l'usine d'automates. Ah oui, attends. Hop, le téléphone, les gars, faut appeler le bureau, voilà. Marson et Lormand, bonjour. Monsieur Marson, s'il vous plaît, de la part de Kate Walker. Un instant. Allô, Kate ? Alors dites-moi, comment se passe notre affaire ? Je suis arrivée à Valadilen. Nous avons un petit contretemps, monsieur Marson, je le crains. Madame Vorarlberg vient de décéder. C'est regrettable, mais nous avions prévu avec elle cette triste éventualité et je crois me souvenir qu'elle n'a pas d'héritier. Oui, c'est exact. Mais... Où est le problème, Kate ? Prenez donc contact avec son notaire directement. Je demande à ma secrétaire de vous faxer ses coordonnées et une lettre d'introduction de la part du cabinet. Très bien, monsieur Marson. Bon, je dois vous laisser, Kate. Tenez-moi au courant. Je... Donc là, t'as pu voir qu'on a un patron ingrat comme il se doit. Allez, hop, c'est parti. Donc on descend, on retourne voir le réceptionniste, on lui demande le mail que M. Marson vient d'envoyer à l'instant T. On récupère le mail et ensuite direction le cabinet notarial, l'étude notariale. Allez, ma grande, allez. Et vous remarquerez que c'est la doubleuse officielle de Lara Croft, en fait. Enfin, la voix, hein, je parle. C'est encore moi. Mademoiselle Walker. Mission... Ouais, c'est ça. Un fax ne serait-il pas arrivé pour moi, s'il vous plaît ? Peut-être, on a bien eu l'impression d'entendre la sonnerie. Serait-il possible de vous en assurer, monsieur ? Tout de suite, mademoiselle. Je vous remercie. Merci. À votre service. Ok. Donc maintenant, on peut sortir. Je vais aller visiter un peu Valadilen. À plus tard. Comme il vous plaira, madame. Allez, c'est... Ah, attends. Faut récupérer les engrenages que Momo a laissé tomber, je les ai pas pris. Donc ça, très très important. N'oubliez pas, le gras.
Allez, balance ça dans les fouilles, ma cocotte. Donc pareil, c'est un jeu qui a bien 10 ans, hein, peut-être 10, 12 ans maintenant, je pourrais pas dire. D'ailleurs, j'ai attendu très longtemps le 3, et le 3, au niveau de l'optimisation du jeu, vu qu'ils ont changé un petit peu le concept, ils souffraient de gros problèmes d'optimisation, et que t'aies un très bon PC ou un PC bas de gamme, il tournait pareil. Donc j'ai été très déçu pour ça, mais sinon l'histoire est pareil, mortelle dans le 3. Alors là, il y a un vieux monsieur à qui on peut tailler une petite bavette des familles, hein, comme qui dirait. Donc c'est pour le côté RP de la chose, hein, t'es pas obligé de lui parler, mais... Sait-on jamais que ça débloque pas un truc après à cause de ça. Mes hommages, madame. Comme c'est plaisant de voir une si jolie demoiselle se promener dans nos bonnes vieilles rues. Asseyez-vous donc, que nous fassions plus ample connaissance. Cela aurait été avec plaisir, mais je n'ai pas le temps. Une autre fois, peut-être. Je l'espère, mademoiselle. Ah, je me souviens de ces rues pleines de monde. En ce temps-là, il y avait toujours une agréable rencontre à faire. Ah, notre bonne ville de Valadilen n'est plus ce qu'elle était. Effectivement, les choses ont l'air d'avoir bien changé. Nos enfants ont quitté la vallée. Il faut bien qu'ils gagnent leur vie, n'est-ce pas? On ne peut pas leur en vouloir. Il faut savoir vivre avec son temps. Et ce n'est plus la fabrique Voralberg qui pourrait leur donner du travail. Vivre en marge du monde est un lourd tribut à payer, croyez-moi, mademoiselle. C'est pourtant un village si pittoresque. Mort, on voit bien que vous n'êtes pas d'ici. Je vous souhaite une bonne journée, mademoiselle. Donc voilà, ceci étant fait, on va aller parler vite fait au boulanger, qui va nous apprendre qu'en fait, décision préfectorale de la mairie de Valadilen, que tous les commerces sont fermés jour de deuil de Anna Voralberg, et donc finalement, bah, tout le village est en deuil. Avant, ce que je peux faire, c'est peut-être passer chez le notaire quand même. Ouais, alors attendez, avant de faire ça... Ah bah non, le notaire est après. Oui, non, je peux parler au boulanger avant, c'est pas un souci. Voilà, donc... Allez, hop. Bonjour monsieur, est-il possible d'acheter quelque chose à la boulangerie? Ah non, ça va pas être possible, ma petite dame, c'est qu'on n'est pas ouvert. Je peux attendre un peu? C'est pas possible, je suis fermé pour toute la journée, cause de deuil. Excusez-moi, toutes mes condoléances. Y a pas de mal. C'est rapport au décès de madame Voralberg, tous les magasins fermés, décision de la mairie. Revenez donc demain. Demain, je ne serai plus là. Tant pis. Alors, l'étude notariale se trouve sur notre gauche, donc on y va sans plus attendre. Ne pas oublier de récupérer le petit journal qui se trouve sur le banc devant l'étude, à gauche. Le journal du 17 avril, si je ne m'abuse pas de mémoire, je crois que c'est ça. Bon. Allez, tu vas me le récupérer, cette cochonnerie, oui. Donc là, on peut apprendre pareil, machin... Voilà, t'as qu'à mettre sur pause, mon loulou. Alors. En même temps, il y a la cam qui va cacher peut-être un morceau de la feuille, je sais pas trop. Mais bon, moi je suis là pour proposer une soluce, donc le background... Ça dégage. Alors oui, alors ici, hop. Donc tu vois, ils ont fait un double inventaire quand même. Hein. T'as l'inventaire papier et l'inventaire item, donc ça c'est plutôt cool. Hop. Tac, t'actives le manivellier du torse et le manivellier à droite. Joyeux bordel pour rentrer chez lui, hein. Putain la vache. Le type, le mécanisme improbable. Allez, c'est parti, on va aller s'entretenir avec Maître, je sais plus comment d'ailleurs il s'appelle lui. C'est parti pour un Bonjour, long dialogue. Maître. Mademoiselle Walker, je présume. Avez-vous fait bon voyage? Tout s'est très bien passé, je vous remercie. Prenez un siège, mademoiselle Walker, je vous en prie. Je pense que vous êtes au courant de l'affaire qui m'amène. Mais bien sûr, je vous attendais. Mademoiselle Walker... Je crains que la vente de l'usine Voralberg ne soit pas aussi simple que prévu. Mais les choses me semblaient pourtant entendues. Nous avons obtenu l'accord d'Anna Voralberg. Un accord que son décès ne saurait remettre en cause. Il faut que je sois de retour à New York après-demain. Mon client est impatient de conclure cette vente. Je comprends, mademoiselle Walker.
Il y a un héritier, Mademoiselle Walker. Pardon ? Un héritier ? Madame Vorarlberg ne s'est jamais mariée, que je sache. Et lors de notre dernière conversation téléphonique, elle n'a absolument pas évoqué ce détail. Mademoiselle Walker, croyez-moi, j'en suis le premier surpris. Anna Vorarlberg m'a fait parvenir une lettre 2 jours avant sa mort. Croyez bien, Mademoiselle Walker, que si j'en avais eu connaissance plus tôt, je vous l'aurais fait savoir. Je dois vous lire ce document à présent. Cher maître, je suis une très vieille dame. Ces jours-ci, la vie semble vouloir m'abandonner plus vite que je ne l'escomptais. Et je crains de ne plus être de ce monde lors de la signature de la vente de ma chère usine. Aussi, je me dois de vous faire cet aveu. Mon frère, Hans, est toujours vivant. Je me doute que cela vous soit difficile à admettre, mais c'est pourtant l'incroyable vérité. Sa mort et son enterrement, dont, bien qu'étant très jeune à l'époque, vous avez dû garder le souvenir, furent en fait une sordide mascarade imaginée par notre père. Pour lui, l'idée que son unique fils souhaite quitter Valadilen, et donc ne lui succède pas à la tête de l'entreprise familiale, lui fut insupportable. Quand Hans est parti, il a préféré le croire mort et le faire passer pour tel aux yeux de tous, m'obligeant à porter également ce lourd secret. Je le répète, Hans est toujours vivant. Et à ma mort, c'est donc lui qui devient l'unique et légitime héritier de notre fabrique. Très bien. Puisque Hans Vorarlberg finalement n'est pas mort, il suffit de signer avec lui. Je suppose que vous l'avez déjà contacté. Où puis-je le rencontrer ? La suite de cette lettre nous apprend qu'Hans Vorarlberg serait quelque part en Sibérie. Mais je vous laisse ce document. Vous le lirez à votre aise. Donc là, via ce document-là, on peut en fait en apprendre plus sur Hans, qui était soi-disant mort et qui, on vient de l'apprendre, ne l'est pas finalement. Donc en gros, il est quelque part en Sibérie et finalement, notre mission va être de mettre la main sur Anna Hans. Anna Vorarlberg n'ajoute aucune autre information ? Malheureusement, Mademoiselle Walker, vous en savez maintenant autant que moi. Néanmoins, juridiquement, les choses sont claires. Si vous voulez mener à bien cette vente, il faut absolument retrouver Hans Vorarlberg. Et je conçois qu'entre le cadavre qui est censé reposer au cimetière communal et le fantôme errant quelque part aux confins de la Sibérie, il y a de quoi être troublé. Croyez bien, Mademoiselle Walker, que je sois le premier désolé de ce fâcheux contretemps. Oui, désolé. Mais que faire maintenant ? Peut-être en apprendrez-vous davantage dans les archives de l'usine Vorarlberg. La clé est à votre disposition dans la salle d'attente. Mon rôle dans cette affaire s'arrête à la lecture de cette lettre. Il faut que je me repose à présent. Je ne suis pas en excellente santé, et mon médecin m'interdit des longues séances de travail. Je ne vous retiens pas davantage, Mademoiselle Walker. N'oubliez pas de fermer la porte en sortant. Au revoir, maître. Donc c'est là que notre aventure, folle soit-elle, va commencer. Alors, on quitte le bureau du baveux, du bavaxois, la bavrioise. Donc, on... le baveux, la baverie, putain, ça n'a aucun sens. Donc, vas-y. Hop, là, on récupère la clé télescopique qui se trouve dans le porte-manteau. Et ensuite, on va pouvoir accéder à l'usine, du coup. Puisqu'on va pouvoir ouvrir la porte de l'usine grâce à cette clé. Et ce que tu vas voir, hein, tout est automatisé, je sais pas comment mieux te le dire. Il y a un automatisme. Dans toute la ville, même les baraques sont construites sur le concept un peu des automates, c'est des toits en fer avec des systèmes de poulies, de machin. Il y a un mécanisme pour tout, quoi. D'ailleurs, ça, je crois que c'est pas dit. Ah oui. Coup de téléphone de Dan, ce fils de chien. Allô ? Kate ? Oh, Dan, comme je suis contente de t'entendre. Comment vas-tu, ma chérie ? Ton voyage s'est bien passé ? Tu es bien installée ? Long, fatigant et humide. Mais ça va, je vais bien. Surtout quand tu... Tout se passe comme prévu ? Oui. Enfin, pas vraiment. Ce n'est pas exactement ce que j'imaginais. Tu sais, ici, tout est tellement différent. Ah, au fait, chérie, j'ai réussi à me libérer demain après-midi.
Je viendrai t'attendre à l'aéroport. J'espère d'ailleurs que le vol de Paris n'aura pas trop de retard. Nous sommes attendus chez les Goldberg vers 20h précises. Ma pauvre chérie, je crains que tu n'aies que le temps de prendre une douche et de te changer. Dan, je doute que ça puisse être possible pour les Goldberg demain soir. Oh, ne t'inquiète pas, Kate. Tu seras parfaite, comme d'habitude. De toute façon, hein, rien t'habille. Et puis les Goldberg se font une joie de te voir. Sarah a personnellement insisté pour que... Dan, je vais devoir prolonger mon séjour ici. Il y a quelques complications, tu comprends? Enfin, Kate, ce n'est qu'une petite fabrique de jouets. La vente ne se passe pas comme prévu. Je suis obligée de rester un peu. Dan, tu ne m'en veux pas? Kate, enfin, tu peux pas me faire ça. Les contrats Goldberg, tout de même, ça pèse plusieurs millions de dollars et... Je sais. Je suis désolée. Vas-y sans moi. Je rentre dès que je peux, je t'assure. Bon, je dois te laisser. Mais je te rappelle vite. Je t'embrasse, mon chéri. Donc voilà, le petit copain, tu sais, fils de riche, qui peut avoir tous les caprices dégueulasses d'un gosse pourri gâté peut avoir, quoi. Donc, alors, ici, il fallait remonter la clé, déposer la clé télescope. Alors, attends, une fois que ça s'est monté, il faut lui foutre ça dans les mains. Allez. Voilà, et ensuite, il faut activer cette puterie-là à droite de manivellier démoniaque. Oh putain, les mecs, comment ils parlent? La vache! Ok, nous voici donc à l'entrée de l'usine. Donc on a 5 chemins qui s'offrent à nous. Nous, on va en direction de la maison de Vorarlberg, dans un premier temps. Voilà, hop, on va aller directement derrière. Ah, il faut qu'elle change de plan avant de pouvoir tourner, évidemment. Voilà, bon. Toutes les portes sont fermées, donc ne perdez pas de temps à aller checker les portes, les gars. Là, il s'agit directement d'aller parler à la jardinière dans le jardin et on va récupérer la clé qui va nous servir à utiliser... la grande échelle là. Donc, c'est parti. Allez, vas-y ma grande. Voilà. Hop. Ah, ils avaient un labyrinthe derrière la maison quoi. Au calme. Voilà. On va lui parler. Alors elle a un accent. Bonjour madame. Patois. C'est un magnifique jardin que vous avez là. M'en parlez pas. Depuis que mon automate jardinier est tombé en panne, les mauvaises herbes sont partout. Vous n'imaginez pas tout le travail que ça me donne. Je sais plus donner de la tête. Faut dire qu'ici, à Valadilène, on n'a pas bien l'habitude de se passer de l'aide des automates. À ce qu'on raconte, il faudra s'y faire. Pourtant... Donc voilà, il n'y a pas de dialogue. Elle nous raconte un peu sa vie. Ensuite, on prend à gauche, tout de suite à droite... Et dans l'évier de la fontaine, on va pouvoir récupérer la clé. Ici. Allez, vas-y. Allez, on y va. Les musiques sont totalement épiques. C'est quelque chose, quand même. Et vous allez voir que, en fait, ça part d'un tout petit truc comme ça. Et l'histoire prend une ampleur totalement improbable après. Et c'est ça qui m'avait grave accroché scénaristiquement parlant, parce que c'est vrai que on est emmené de fil en aiguille dans une aventure qui est de plus en plus folle, vous allez voir. Tandis que Black Mirror, c'est juste qu'on s'enfonce un peu dans le cauchemar, quoi, de plus en plus. Donc, vu qu'on sait déjà dans quel type d'idée on jouait à Black Mirror, on sait que c'est un jeu assez noir, etc. Donc, mais là, la première fois que moi je l'avais fait, je m'étais pas du tout attendu à un dénouement comme ça, quoi. Putain, la tasse de pute a failli me ripper des mains. Cochonnerie. Elle est pétardée, la petite, un peu. Hein. Alors. Donc là, on va direct à gauche dans le bureau. On récupère l'encrier et le journal d'Anna. Donc je vous avouerai qu'on va pas se faire la lecture, mais je te montre un peu le délire. Donc t'en apprends évidemment beaucoup plus sur le background, etc. Hein, donc... Quand tu le feras chez toi, ma poule, tu prendras le temps de le lire. Ensuite, on va à l'autre extrémité, du grenier, allumer la lumière, ce qui va provoquer l'arrivée de Momo, du coup. Voilà, hop. On l'entend arriver avec ses grands sabots, là, le Momo. Ah ! Mammouth. Tu peux dessiner Mammouth pour Momo ? Oh,
c'est toi, Momo. Tu m'as fait peur. Que viens-tu faire ici? Momo veut un dessin de mammouth, comme celui des Hans. Je suis désolée, mais je n'ai pas de dessin de mammouth sur moi. Toi, prendre papier et crayon et dessiner mammouth pour Momo. Eh bien, tu ne te décourages pas facilement. Donc ne perdez pas votre temps à essayer de lui poser toutes les questions. Momo, je dois y aller maintenant. Il va répondre tout le temps la même chose. À plus tard, peut-être. Il va nous demander absolument de nous dessiner un dessin de mammouth. Sans ça, il parlera pas, l'enfoiré. Alors du coup, le mammouth, il est ici, ma biche. Hop, donc là, tu prends ton décalco. Alors attends, non, faut déjà se mettre en plan rapproché avant. Voilà. Ensuite, on lui fait un petit décalco des familles. Et hop, le tour est joué, mon poulet. Voilà. Voilà, on a Zimamout en dessin. Donc maintenant qu'on a Zimamout, on va le donner à Momo et on va devoir suivre Momo dans un endroit secret. Alors, hop. Momo, j'ai encore quelque chose à te demander. Momo, écoute. Attends. Momo? En fait, faut que je prenne le dessin qui est là maintenant, que je le donne à Momo comme ça. Voilà. Autant pour moi. Ça va faire 5-6 ans moi, que j'ai pas fait le 1. Facile. Voilà, là, il est tout content, le Momo, donc. Merci. Momo est content. Maintenant, suis Momo. Momo montrait son secret à Kate. Il a un sale flow, le Momo, putain la vache, quoi. Il est habillé dans les années 1834, dans le plus grand des calmes, quoi. Je sais plus en quelle année ça se passe, par contre. Ouais, ils vont sûrement nous le dire à un moment donné. Donc on suit Momo en direction de la grande rue, ce qui fait qu'on ressort du parc de l'usine, hein, clairement, les gars. Donc tout se fait à pied. Dans celui-ci, il n'y a pas de carte pour rejoindre un endroit plus rapidement. Attends, mais... Attends, parce que j'ai la caméra juste, tu vois, dans le bas à gauche, et c'est un peu relou pour cliquer, voilà, merci. Donc en fait, des fois, t'as des longs trajets, on va dire, enfin, t'as plusieurs suites d'images à passer à pied, et t'as des allers-retours à faire, donc c'est vrai que c'est un petit peu ce côté-là qu'elles ont, mais bon, en même temps, ça casse pas l'immersion. Faut avouer que graphiquement, les endroits, comment ils ont été choisis, comment c'est foutu, tu vis dans un petit village comme ça, t'es bien, en fait, en vrai. Que c'est quand même vachement féerique, hein. Le petit... tu vois, le petit oiseau là qui vient de passer, s'appuyer sur la cheminée, repartir et tout, c'était assez vivant quand même pour l'époque. Ils avaient très très bien bossé, on va dire. Ça, c'est clair et net. Beaucoup mieux que sur le troisième d'ailleurs, parce que le troisième, c'est une aberration. C'est... Pour les yeux, insupportable, ça saccade en continu, c'est mal optimisé, les caméras sont totalement dans les gordas. Ça a vraiment aucun sens. Bon, alors. Donc j'avais d'autant... Enfin, j'ai kiffé l'histoire du 3, mais c'est vrai que le jeu en lui-même... Je l'ai fait en live, hein, sur la chaîne, donc pour ceux qui veulent aller checker le 3. Bon, je vous suggère quand même de regarder Siberia 1, 2, 3 dans l'ordre, parce que évidemment c'est une suite. Le 3 n'est pas avant le 1, le 2 n'est pas après le 3, quoi. Je veux dire, c'est bien 1, 2, 3 dans l'ordre. Allez, c'est parti. On suit ce putain de carnement à la con. Ils me font tout chier dans cette courte. Alors, j'ai trouvé la solution. Alors, je prends la brosse à dents du Kranz. Et croyez-moi bien qu'on me laisse passer. Ah putain, c'est horrible. J'ai vu une vidéo sur YouTube où le mec parlait comme ça. Et... J'ai cassé des barres parce que c'est la voix que j'imite à chaque fois et genre il y a un mec qui l'a en vrai quoi, ça m'a tué. Le mec a exactement la voix comme je viens de te le faire là, hein. C'est ça qu'il faut savoir. Tu tapes sur YouTube, ils me font tout chier dans cette côte, je suis sûr que tu la trouves. Un mec qui utilise une brosse à dents lumineuse comme un gyrophare de keuf pour qu'on le laisse passer dans la rue, mais la vidéo dure 10 secondes tu vois, mais c'est des barres. Voilà, donc alors attends. Ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà checker la rame du bateau qu'elle a, de la barque. Direct.
C'est dommage d'avoir laissé cette barque à l'abandon. Elle prend l'eau de toutes parts. D'accord, donc vu que c'est Scriptofion le jeu, il faut déjà... En fait, la rame va nous servir à activer le barrage, puisque le barrage se lève et se baisse avec une roue crantée, mais manuelle, tu vois, dans laquelle, tant qu'il y a un bâton comme ça, à l'horizontale, et que tu pousses, ça te cochonnerait. Donc, attends, avant de parler à... Attends, ah, quoique... Je peux peut-être parler à Momo comme ça en ballon. Oh, te voilà, Momo. Ouh, tu me fais faire une sacrée balade. Mais je l'avoue, c'est magnifique. Momo venir souvent ici. Momo aimait faire des ronds dans l'eau. Bon, maintenant que nous sommes là, que fait-on ? Kate et Momo lancent caillou dans l'eau. Arrête, Momo. Je suis sûre que notre présence ici a un rapport avec la grotte. Momo, Kate, ami. Momo, je dois y aller. Bon, ok. Clique droit pour zapper les dialogues que vous avez déjà entendus aussi. Il faut déjà aller observer le mécanisme ici, essayer de le pousser, demander de l'aide à Momo. Momo va venir nous aider, sauf que le bout de bois va casser. Donc là, on va devoir aller récupérer la pagaie de la barque. Ça doit être coincé. Faudrait que je me fasse aider. Mais vu qu'elle veut pas foutre ses mains dans l'eau, faut demander à Momo de la récupérer pour nous. Et faut demander à Momo d'aller activer le barrage avant de pouvoir traverser le fleuve. Voilà, au moins, j'ai résumé les prochaines actions. Ah oui, il en faut déjà, oui. Tu vois les affaires d'aller-retour dont je te parlais ? Ça commence, mon poulet. Alors, il faut déjà essayer de récupérer cette fichtrerie de pute. C'est dommage d'avoir laissé cette barque à l'abandon. Non mais... Elle prend l'eau de toutes parts. Pas les couilles de ce que tu dis, ma grande. C'est dommage d'avoir laissé cette barque. Comment ça ? Ah, parce que... Oh oui, putain. Je vais aller plus vite que la musique. Donc je m'en mets les pinceaux et je perds du temps. Alors, hop. Mon... Peux-tu me quoi ? Aide-moi. Momo, fort ! Voilà. Momo, fort ! Donc voilà. Là, on lui demande du coup de nous aider à activer ce putain de barrage. Oups. Ok, une fois cela fait, on redescend. Ah ouais, du coup je me suis fait faire des allers-retours dans le vide parce qu'en fait là si je demande... Attends, je vais demander un coup de main à Momo, voir si ça a quand même enregistré l'action ou pas. Momo. Momo. Peux-tu m'aider s'il te plaît ? Quoi faire ? Aide-moi à ouvrir le barrage. Barrage cassé. Ok, donc ça Momo, a pas enregistré. Je dois y aller maintenant. À plus tard peut-être. Bon, alors maintenant faut retourner à la barque. Faut constater qu'il y a la fameuse pagaie dans l'eau. Revenir voir Momo et lui demander de récupérer la pagaie parce que vu qu'elle est dans la. Elle est dans la gadoue, elle veut pas mettre les mains dedans, tu sais. C'est une petite pute du 16e, elle se dit ah non non non, avec ma manucure et tout. Bon. Elle met quand même les mains dans l'eau, faut pas déconner. Une des rames de cette vieille barque pourrait tout à fait servir de levier. Mais comment l'attraper ? Allez, c'est parti, on va voir Momo. Momo, j'ai encore quelque chose à te demander. Momo, écoute. J'ai besoin de récupérer une des rames de la vieille barque. Veux-tu y aller, s'il te plaît ? Momo, d'accord. Momo fort et gentil. Petit bug de texture là en bas. Ah, ça y est. C'est le temps que ça charge. Il traîne la patte le Momo quand même. Je voudrais pas dire, mais putain. Cochonnerie de Momo. Rame trop loin. Momo pas aimé l'eau. Ah oui, parce que j'ai oublié encore un truc, les gars. Je m'auto-fatigue, ça y est. Bon. Allez, ma grande. Faut aller chercher le morceau de bâton que Momo a pété en fait. Putain, vache. Il est venu s'asseoir là. Il peut pas attendre à côté de la barque, lui aussi, espèce de tir au flanc. Ah putain, monte les marches deux par deux, ma grande, ça va plus vite. Voilà, faut
On ne veut pas oublier de récupérer cette merde, les gars. Ah, ça, c'est vraiment offert par la maison. Quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Momo, j'ai encore quelque chose à te demander. Momo, écoute. Donc là, normalement... J'ai besoin de récupérer une des rames de la vieille barque. Veux-tu y aller, s'il te plaît? Momo, d'accord. Momo fort et gentil. Ah non, je me suis encore trompé, les gars. Je me suis encore trompé. C'est nous qui devons utiliser le bâton et pas Momo. En fait, nous, on ramène le bâton et Momo récupère la rame. Putain, mais quel foutu bordel. Désolé de vous faire galérer, mais là... là rame trop loin. Ah, oui. Momo, pas aimé l'eau. Putain, je te foutrais des coups de pied dans le cul, ça filerait droit, c'est moi qui te le dis. Allez, hop, le bâton, hop, tac, voilà. Cette rame est sale et toute mouillée. Voilà, et à maintenant, c'est reparti pour le Momo démoniaque. Putain, c'est... Oui, vu que c'est Scriptofion, frérot, tu te doutes bien que si tu ne fais pas une action précise, ça débloque pas l'action suivante. Ça va, Momo... de soi. Oui, c'est bon, on est au courant. J'ai... Allez, hop, active-toi le cul, ma gueule. C'est bon, quoi. Faut pas être pressé, hein. Putain, il a une dégaine, là. Le gars, c'est compliqué. Hein. Allez, viens là, toi. Allez, on y va, et ensuite, faut reparler à Momo, et lui redire coup de main, je crois. Voilà. Momo. Momo. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Quoi faire? Je souhaiterais que tu m'aides à ouvrir le barrage. D'accord. Momo, fort! Ok, c'est parti. Et ensuite, on va pouvoir prendre le petit chemin de gauche, là, avec le ruisseau. Ok, allez, vas-y. Allez, mon bon vieux Momo. Du nerf. Du nerf. Momo, très fort. Merci beaucoup, Momo. Alors. Petite musique totalement épique. Je crois qu'en plus, elles ont toutes été réalisées par une sorte d'orchestre. Faudrait que j'aille checker. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que si. On a donc accès à la grotte. Alors la grotte, on sait en lisant le journal de Anna que justement ils allaient jouer quand ils étaient plus petits ici. Et donc Anna en a parlé à Momo, c'est la raison pourquoi Momo nous amène ici et qu'on découvre la grotte. Donc faut récupérer le mammouth impérativement. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a le mammouth, on ressort. Ah oui, putain. Hop. On ressort de la grotte et on va se diriger en direction de l'usine pour se mettre à fabriquer des choses avec, avec la chaîne de production de l'usine. Donc vous allez voir, c'est aussi un sacré micmac. Et je crois que Benoît Socal aussi a fait un jeu qui s'appelle La Merzone, il me semble, dans mes souvenirs. Ah oui, le coup de fil d'Olivia, la collègue de boulot. Allô? Kate, c'est toi? Bah oui, qui veux-tu que ce soit? Je reconnaissais pas ta voix, ça doit être la distance. Alors raconte, c'est comment l'Europe? Que
protection, Stuart. C'est jamais à moi que ce genre de choses arrive. Tu n'as rien à m'envier, Olivia. Pour l'instant, l'Europe se réduit pour moi à un petit village paumé et pas franchement accueillant. En plus, l'affaire se complique. Il y a maintenant un héritier surprise que je dois retrouver. Je sais. J'ai parlé avec Lynn, qui a croisé Joss, qui a pris son café ce matin avec le Big Boss. Il n'avait pas l'air content du tout. Ton client a rendez-vous demain, et quand Marson va lui dire que la vente n'est toujours pas signée, tu vas venir d'avoir un océan entre toi et notre cher patron. Ça se défend. Bon, et toi, comment ça va? Quoi de neuf au boulot? Nous avons perdu le procès Ferralu. 5 mois que je bossais sur ce fichu dossier. Je me souviens. Enfin, pour passer mes nerfs, je suis allée chez Bloomingdale. Les soldes ont commencé hier. Vénard. De la folie, Kate. De la pure folie. Tu sais le petit ours en soie bleue? Devine. Devine pour combien j'ai eu. Je sais pas. 250? 200? $140. Dépêche-toi de rentrer, j'y retournerai avec toi. Comme si ça dépendait de moi. Bon, il faut que je te laisse. On se rappelle vite. Je vais être au courant des moindres détails de ta palpitante aventure. Arrête, Olivia. Je t'embrasse. Moi aussi. Prends soin de toi. Promis. Bon, Olivia a clairement le profil d'une pouffe. Hein. On va pas se mentir. Alors. Ah putain, viens là, saloperie de souricier de pute. Voilà. Alors, c'est parti. Oui, parce qu'en fait, j'ai un triple screen. À droite, j'ai le truc de capture qui tourne. À gauche, j'ai la soluce ouverte au cas où si je faiblis au niveau de ma mémoire. Ce qui va être le cas d'ici très peu de temps d'ailleurs, parce que je me souvenais très très bien du début, mais après, ça se complique amplement. Et en fait, vu qu'il n'est pas borduré, le jeu, si tu veux, déjà, faut faire gaffe de pas cliquer sur un des deux écrans à côté, parce que sinon, ça quitte le jeu direct. Et donc du coup je fais défiler, tu vois, vu que c'est pas borduré, je fais défiler la soluce à gauche sur l'écran, mais pour revenir sur cet écran-là, la souris a galère à revenir sur le jeu, quoi. C'est un peu le bordel, mon loulou, donc direction l'usine. Donc arrivé à l'usine, il va s'agir de prendre le deuxième chemin sur la gauche en direction de l'entrepôt de piles. Alors vous allez voir, c'est un foutu merdier à faire fonctionner cette usine. C'est tortureux. Le mec, il s'est torturé l'esprit. Le mec fait en fait tout fonctionner à base d'automate, quoi. C'est ouf quand même, t'imagines? Alors on active le manivellier qui se trouve là. Hop. Une espèce de pince qui vient chercher cette cochonnerie et ensuite on rentre dans l'usine. Ok, une fois ceci fait... Alors, oh putain, ça galère à revenir à chaque fois sur l'écran principal. Chier, bordel. Alors, c'est parti. Donc la direction de l'usine qui est donc le premier chemin... Enfin, le deuxième sur la gauche. Enfin non, le premier à gauche, du coup. Alors, hop. Excusez-moi pour les petits bruits de fond. Hein. C'est normal, Molulu. Molulu. Ils me font tout chier dans cette courte. Mais je m'auto-fatigue avec ce truc, c'est incroyable, faut que j'arrête. Bon, une fois qu'on rentre ici, on va direct activer la roue hydraulique qui se trouve sur la gauche de l'usine de manière à pouvoir produire de l'électricité dans l'usine. Alors, hop, c'est tout au fond, c'est la porte là-bas. Allez, cours ma grande. Voilà, hop, on emprunte la porte. Ensuite, c'est un peu taquin si tu fouilles pas bien, c'est qu'il faut bien mettre son truc. Attends, où est-ce que c'est? Voilà, en bas à gauche.
Ensuite, arrivé ici, on tire sur cette cochonnerie-là. Voilà. Ça va en sortir une bestiole métallique douteuse. Voilà, ça fait donc descendre un peu dans le fleuve. Voilà. Donc là, elle tourne et on balance le jus. Donc en gros, c'est le disjoncteur, quoi, si tu préfères, finalement. Voilà, une fois ceci fait, on retourne sur nos pas. Nous ressortons. Ensuite, direction l'autre côté, totalement l'autre côté de l'usine. Normalement, on va avoir un coup de fil de notre mère. Ah, tu vas voir, c'est la vieille milf qui doit prendre des levrettes à longueur de journée. Oui, allô? Kate, mais où étais-tu donc passée, ma pauvre chérie? Ça fait 3 heures que j'essaye de te joindre. Je suis en Europe, maman, pour le boulot. Quoi? Oh là là, l'Europe! Que de bons souvenirs! Certains avec ton père, d'ailleurs. Enfin, passons. Raconte-moi, tu es à Paris, à Londres, à Venise? Pas la Dylan. Oui, je sais, ce n'est pas très connu. Mais alors, que diable fabriques-tu dans ce trou perdu? Oh, les affaires. Je dois procéder pour un de nos clients au rachat d'une vieille entreprise familiale pleine de charme, de dettes et de mystères. Enfin, je préfère ne pas trop en parler. Mais oui, ta pauvre mère est trop bête, elle ne peut pas comprendre. Ton père, tu es exactement comme ton père. Maman. Oh, Kate, tu ne devineras jamais avec qui j'ai passé la soirée d'hier. Maman, j'ai pas beaucoup de temps, tu sais. Franck. Maman, s'il te plaît, je dois... Franck. Franck Malkovich, le chanteur d'opéra, le russe. Enfin, voyons, tu te souviens de lui, tout de même. C'est une célébrité. Écoute, maman, ce n'est pas le moment. Je te rappellerai. Charmant, il est absolument charmant. J'ai passé... Maman, je dois vraiment te laisser. Promis, je te rappelle sans faute. Je t'embrasse. Kate! Ok, ça c'est fait. Donc, direction le chariot élévateur. Il faut remonter la manivelle qui se trouve juste sur la droite du chariot. Ensuite, d'une manière automatique, il va aller positionner la pile sur la chaîne de montage pour alimenter toute cette cochonnerie métallique. Là, les cutscenes interminables. J'ai le temps de me faire un petit gras, dis donc. Ok, alors maintenant, il faut aller dans le fond. Alors là, on va utiliser la porte ici. Et on va faire la rencontre de Oscar, du coup. L'automate, alors lui, c'est pas n'importe quel automate. Il est différent de tous les autres qui ont été créés dans le passé, en fait. Il est plus performant, plus intelligent. C'est limite une IA, le mec, hein. Ok, une fois ceci fait, t'as vu tous les bras qui pendent et tout, avec tous ces systèmes de câblerie douteuse. Alors. Ah, grand merci. Je suis confus de me présenter à vous dans cet état. J'avoue manquer singulièrement de finition. Voyez-vous, personne ici n'a trouvé le temps d'achever mon processus de fabrication. Pensez-vous que de nos jours, les valeurs du travail bien fait se perdent inexorablement? Peut-être. À qui ai-je l'honneur? Pourriez-vous décliner votre identité en articulant correctement, s'il vous plaît? Je m'appelle Kate. Kate Walker. Je me présente. Modèle XZ2000. Plus vulgairement, je réponds également au nom de Oscar. Je représente le summum de la technologie développée dans cette manufacture. J'ai été conçu pour piloter une locomotive. Alors, on peut ici lui poser tout un tas de questions, en fait. Ouais, bah, vous savez quoi? On va quand même le faire. Pour le côté RP, on va le faire. Avez-vous bien enregistré mon prénom et mon nom? Parfaitement.
Kate Walker, ravi de faire votre connaissance. Moi de même, modèle XZ2000. Je préférerais que vous m'appeliez Oscar. Pensez-vous que je me permettrais, moi, de vous apostropher par votre numéro de passeport ? Je suppose que non, monsieur Oscar. Savez-vous où je pourrais trouver les papiers administratifs concernant cette usine ? Je ne peux pas vous répondre précisément, mais le bureau d'Anna Vorarlberg se situe à l'étage. Quand vous serez entier et fonctionnel, pourrez-vous m'aider à regrouper des renseignements sur Hans Vorarlberg ? N'y comptez pas, Kate Walker. Une fois mes pieds récupérés, je dois immédiatement me rendre au train. Il attend son pilote. Le nom de Hans Vorarlberg vous évoque-t-il quelque chose ? Bien sûr, il est mon créateur. Je ne l'ai jamais rencontré et je le déplore. Avez-vous une idée de l'endroit où il pourrait se trouver actuellement ? Non, Kate Walker, mais j'éprouverai sans doute une intense satisfaction métaphysique à le rencontrer. Vous avez prétendu être pilote du train, mais de quel train parlez-vous ? Vous n'avez donc pas remarqué le magnifique train qui stationne dans la gare ? Et où va ce train, monsieur Oscar ? Ce train part loin, très loin, très très loin. Et vous emmenez quelqu'un ? Mon devoir est de conduire ce train et je dois avant tout garantir sa ponctualité. La ponctualité est l'honneur du machiniste, mais je vous l'accorde, Kate Walker, un train sans passagers est vide de sens. Vous n'avez pas répondu à ma question. Pour les détails, voyez avec Anna Vorarlberg. Ok, attends, hop, automate. Vous êtes un bien étrange robot. Un automate, je vous prie. Oh, un chevet, oui. Je ne voulais pas vous froisser. Les automates ont un supplément d'âme, comprenez-vous ? Ah, je vois. Puis-je vous être utile ? Certainement. J'ai absolument besoin de mes pieds. Mes mains sont du modèle XZ2003. Pour mes pieds, attention. C'est le modèle XZ2005_B. Le modèle XZ2005_A a présenté quelques défaillances. Un bug ? Les automates n'ont pas de bug, Kate Walker. Juste des coquetteries de fonctionnement. Excusez-moi, je ne savais pas. Oui, désolé. Et que dois-je faire pour vous procurer des pieds ? Il faut lancer leur fabrication en chaîne de montage. Vous devez utiliser la carte perforée de fabrication qui résume mon schéma corporel. Voici la mienne. Bien, je vais essayer. Merci, Kate Walker. Ok, donc maintenant on peut quitter la conversation avec Oscar. Oscar, je suis enchantée d'avoir discuté avec vous. À une prochaine fois. Oui, Kate Walker. Allez, hop, on ressort. Ouais, donc comme tu peux le constater, Oscar est vraiment... C'est une IA. Hein. C'est clairement une IA. Mais il se considère pas comme une IA, il se considère comme un automate, quoi. De haute technologie, mais un automate. Donc on va emprunter l'escalier métallique. Et on va monter dans le bureau d'Anna. Il va falloir ausculter l'intégralité de tous les papelards qui se trouvent sur le bureau. Dans la bibliothèque ensuite de son bureau... Il faudra récupérer un cylindre métallique sur lequel elle laissait des messages vocaux à son frère Hans, parce que en fait Hans ne sait pas lire. Il a toujours été, comme elle dit, fâché avec les mots. Donc du coup, elle lui faisait graver des petits cylindres métalliques en enregistrant un dialogue dessus, enfin une lettre vocale quoi plutôt. Et elle lui envoyait ça. Et lui, il a la machine qui permet d'écouter le truc, quoi. T'as capté quoi. Donc voilà, là elle explique un petit peu que c'est Hans qui envoie donc des plans, en gros, et qu'elle, à l'usine, s'empressait de les faire, etc., et qu'elle approchait de la fin de sa vie et tout. Donc c'est une lettre un peu triste ou nette, donc tu peux la lire à ta guise si tu le veux. Ouais, d'accord. Où étaient les factures ? Les factures sont là, voilà. Mon Dieu, que de factures ! Je ne pensais pas que la situation financière de la fabrique soit si catastrophique. Ces dernières années ont dû être vraiment difficiles pour Anna Vorarlberg. Oui, donc là, dans la lettre que je viens de zapper, on apprend qu'en fait, c'est une relance de la banque pour lui dire de régulariser sa situation financière au plus vite. Donc, ouais, il croulait un peu sous les dettes, la pauvre. Donc là, c'est le deuxième bouquin en partant de la droite. Petite musique des familles. Avec petit bug graphique à gauche en prime, mal du tout. Totalement musique épique.
T'as vu même les petits automates qui tiennent la rangée de bouquins. C'est archi stylé, quoi. J'ai récupéré le bordel, ok. Donc on a récupéré le bordel, donc maintenant on ressort du bureau. On va aller au tableau de commandes qui nous permettent de gérer la ligne de fabrication des automates. Et on va donc de ce fait-là fabriquer les fameuses jambes que Oscar a besoin. Parce que c'est Anna qui devait lui fabriquer les jambes, mais malheureusement elle a cassé sa pipe trop tôt, la pauvre. Alors si je me souviens bien, alors attendez, bougez parce que j'ai quand même une solution sous les yeux, parce qu'il y a des trucs, c'est un peu taquin. Donc il faut déjà mettre la carte d'Oscar dans la fente ici. Voilà. C'est celui-là. Le beige. Et on active le tout. Voilà, c'est bien ça. Ok. Ok, et donc on va pouvoir récupérer les jambes d'Oscar et le suivre jusqu'à la gare. Trop long. Je vous laisse avec la petite cutscene. Et le bout. Fabrication de beuge, quoi. La base, wesh. Donc on va aller chercher les putains de pinglots à l'autre con. Il avait la pingle sûre. C'est les pinglots, c'est les pieds. Hein. C'est une vieille expression. Et vu que j'adore déformer les expressions, il avait un pinglot louche. Il a la pingle évidente. Le pinglier, même. C'est moche, putain. Qu'est-ce que c'est moche. Alors, on va s'empresser de descendre vers le bas pour trouver en bout de chaîne du coup les fameuses la fameuse pingle. Voilà, jamais sans mes pingles. Voilà. Hop, petit bug graphique qui fait toujours plaisir. Ah oui, attends, alors pour sauvegarder les petits gars, menu en haut, clac, sauvegarder une partie, hop, tac. Oui, vous avez vu une nouvelle sauvegarde, parce que figurez-vous que cet épisode là j'ai tourné 1h20 d'épisode. Et au bout d'1h20 d'épisode, je me suis rendu compte que j'avais pas allumé le micro. Erreur de débutant, c'était ça me l'avait pas fait depuis au moins 2 ans, ça, franchement. Ça te le fait quand tu viens de commencer YouTube et qu'il y a encore quelques paramètres que tu maîtrises mal, quoi, mais... Après 4 ans sur YouTube, quand même, faut pas déconner. Bon. Voilà, donc maintenant... Maintenant, je vais fixer ce putain de guibole. Voici vos pieds, Oscar. J'espère que je ne me suis pas trompé. Vous avez réussi à fabriquer 2 modèles XZ2005 underscore B, Kate Walker. J'éprouve un réel sentiment de bonheur, Kate Walker. Ils vous vont très bien. Vous êtes très aimable, Kate Walker. C'est avec regret que je prends congé de vous. Où allez-vous ? Je dois rejoindre la locomotive. Le départ du train est imminent. Ok, donc maintenant, de toute façon, nous, c'est direction la gare. À l'usine, on a fait ce qu'il fallait faire pour Oscar, donc on est bon. Ils avaient pris le temps de faire l'animation d'Oscar qui sort, porte qui s'ouvre et tout. Au lieu de faire un écran noir, tu sais, t'entends juste le bruit de la porte et hop, ils te rebalancent l'image et Oscar n'est plus là. Donc ça c'est pareil, les mecs ils avaient bien bossé. Oui, donc j'étais en train de te dire que j'ai tourné 1h30 de vidéo dans le vent, quoi, donc ça fait très plaisir finalement. Alors attends. Ouais, donc direction la gare. Attends, la gare, je te dis pas de conneries, la gare c'est le deuxième chemin en partant de la droite sur le plan du milieu là, avec la fontaine et tous les chemins. Alors attends, viens ici ma grande. C'est celui-ci, la gare. Voilà.
te rends compte quoi, l'usine de ouf. Elle possédait même sa propre gare, puis t'as vu les montagnes, les flancs de montagne qu'on voit au loin et tout, putain, mais c'est majestueux quoi. Alors ici, ça va être bien relou dans mes souvenirs, parce qu'il y a tout un micmac avec un billet de train, mais alors, ça va être un bordel dans mes souvenirs. Je crois qu'il faut aller le tamponner chez le notaire pour donner l'autorisation de sortie de la gare du train, en fait. Donc on va monter directement dans la locomotive, dans un premier temps. Ah, ça se fait plaisir, wow. Voilà. Il me semble que Oscar est déjà là. Voilà, il faut parler à Oscar direct. Tiens, salut Oscar. Ma fonction m'interdit toute familiarité, Kate Walker. Même si vous êtes ma première et unique passagère. Moi ? Votre passagère ? Oui, vous, Kate Walker. N'avez-vous pas terminé ma fabrication dans ce but ? Si vous le dites. Eh bien, je crois... Je suis décidée à tenter l'aventure, Oscar. Voilà. Nous pouvons partir. Votre billet, je vous prie ? Mon billet ? Mais de quoi parlez-vous ? Le règlement est formel. Tout passager de ce train doit posséder un billet. Bien. Et où puis-je retirer un billet ? La seule personne habilitée à délivrer un billet est le guichetier. Vous avez de la chance, son office doit être ouvert à l'heure présente. Vous devriez y aller immédiatement. Ok. Ok, donc direction l'office, qui se trouve de l'autre côté du train, si ma mémoire est bonne. Ah oui, voilà, je crois que c'est le même mec qui passe le balai et qui... Oui, 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 je me souviens très bien de ça. Je crois qu'il est en bas. Non, il n'est pas en bas, donc il est en haut. T'as vu encore tous les mécanismes douteux qu'il y a là. Oui, parce que je t'explique pas le fonctionnement encore de la locomotive. Tu vas voir, c'est une tuerie. Ah non, ok, lui il nettoie ça, donc on va au guichetier. Ah oui, je me souviens pourquoi il dit vous avez de la chance, le guichetier doit être ouvert à cette heure présente, je me souviens, tu vas voir. Oui, parce que Oscar c'est un vieux déconneur, ça faut le savoir aussi. C'est un vieux briscard, tu vois, regarde. Regarde qui c'est qu'attend au guichet, bizarrement. Vous ? Que désirez-vous, madame ? Enfin, Oscar, c'est moi, Kate Walker. Effectivement, votre nom est bien Kate Walker. Oscar, s'il vous plaît, vous ne pourriez pas m'appeler simplement Kate. Je trouverais ça plus sympa, surtout si nous devons faire un long voyage ensemble. Je suis désolé, Kate Walker, mais je vous ai enregistré sous ce nom. Je ne peux modifier cette donnée. Ma fonction m'interdit toute familiarité, Kate Walker. Il faudrait que vous appreniez la nuance entre être familier et être agréable, Oscar. Parfaitement ça. Alors, mission, on va lui parler que de ça. Que désirez-vous, Kate Walker ? Bah, un billet de train. Vous vendez autre chose ? L'unique fonction de ce guichet est de délivrer des billets. Je vous demande de vous activer. Il ferme dans exactement 3 minutes. Que désirez-vous ? Bah, un billet. Un seul ? Oui. Un billet, c'est parfait. Et pour où, je vous prie ? Mais je n'en sais rien. C'est vous qui m'avez demandé de prendre un billet. Un billet donc pour partir. Putain, la taille du billet, toi. Ce billet est valable pour une personne et à présent... Quoi ? Pour une personne et est à présent à toute personne ayant autorité dans le domaine du chemin de fer mécanique. Ouais, d'accord. Autorisation de disposer totalement ou partiellement des biens mobiliers et immobiliers constructifs d'un héritage. Héritage, Anna Vorarlberg, description de l'objet, une locomotive à propulsion mécanique, ses wagons et dépendances et son machiniste. Le présent document, dûment tamponné par l'autorité, autorisé à tamponner, permet à son porteur de disposer à sa guise du bien mentionné. Voilà, parfait. Ne le perdez pas. Ce guichet n'est pas habilité à produire de duplicata. Cette recommandation vaut également pour le document, joint avec. Qu'est-ce que c'est ? L'autorisation de sortie du train de Valadilen. Le contrôleur risque de vous la demander. Mais, enfin c'est vous le... Attention, il est l'heure exacte de fermer ce guichet.
C'est un relou, je te dis. Mais c'est un gros kissman. Vous allez voir qu'Oscar, parce qu'on s'attache plus ou moins à beaucoup de personnages durant l'aventure. Ils ont tous une forte personnalité et un délire bien à eux, donc ça j'avais grave apprécié aussi. Du coup, alors attends. Remontez dedans. Alors, faut visiter l'intérieur du wagon, constater qu'il y a 4 emplacements déjà. Alors, attends. Si je dis pas de conneries, il faut prendre cylindre à musique. Voilà, je crois qu'ici, il faut mettre le cylindre. Ah, voilà, le cylindre est là. Ok, très bien. Le cylindre est là. Le mammouth doit être là, je crois. Sur l'emplacement du guéridon. Ça doit être ça, un guéridon, finalement. Tout simplement. Cette étagère semble faite pour accueillir des objets de valeur. Oui, oui. Absolument, ma grande. Voilà. Ensuite, on retourne parler à Oscar. C'est encore moi, Oscar. Bonjour, Kate Walker. Oscar, s'il vous plaît, vous ne pourriez pas m'appeler simplement Kate. Je trouverais ça plus... Je suis désolé. Il faudrait... Ok, donc maintenant, mission. Pourquoi ne démarrons-nous pas, Oscar? Le règlement est formel, Kate Walker. J'attends votre billet. Ah oui, évidemment. J'ai également beaucoup de choses à faire, Kate Walker. Oh, le mec, en plus il est hautain, quoi. Où est le billet? Il est là. Hop. Tenez, Oscar, nous pouvons partir maintenant? Je ne peux pas accepter ce billet pour le moment, Kate Walker. Gardez-le. Pourquoi ne voulez-vous pas de mon billet? Kate Walker, je serai intransigeant. Toutes les conditions du départ n'ont pas été remplies. J'ai besoin de valider l'autorisation de sortie. Qu'est-ce que vous pouvez être pointilleux, mon cher Oscar? Ce que j'aime bien dans la manière qu'elle a répondu, c'est genre ça la saoule, mais elle est polie. Qu'est-ce que vous pouvez être pointilleux, mon cher Oscar? Donc là, on retourne chez le notaire, parce qu'au final, il n'y a que lui qui a une machine à cacheter. Donc un petit aller-retour des familles, ça mange pas de pain. Allez, c'est parti, mon Lulo. Bon, la gare est putain de propre, hein. L'autre, en même temps, il passe ses journées à te balayer ça, alors qu'il n'y a personne. Ah mais bon, vu qu'il y a une grosse ouverture là, tu vois, vu que c'est pas vitré ici, ça se trouve le vent, il pousse les feuilles dedans là. Au final, le mec, il a du taf toute la journée, même s'il y a personne dans la gare, quoi. Le truc atroce. Allez, c'est parti. Alors bon, sauvegarder régulièrement, pour moi, c'est une source de soucis en moins parce que, vu que c'est un vieux jeu, bon, je l'ai quand même pris sur Steam. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description. Vous pourrez le trouver encore un peu moins cher sur Instant Gaming, hein, pour ceux qui sont un peu taquins. Mais bon, vu que c'est des vieux coucous, à tout moment, un bug, un truc, le jeu il se ferme comme ça, j'ai pas l'air d'un con, donc pensez à bien sauvegarder, les gars. Pour pas être trop dégoûté au cas où ça se passerait comme ça, quoi. Bon. Alors. Ok, alors attends. Direction ici. Hop, le bureau. Attends. Voilà. Une fois là, je fous mon putain de billet de train. Ah non, attends. Oui, il y a un truc à la con à faire. Faut ouvrir ça. Faut mettre de l'encre dedans. Voilà. Ensuite, je crois que... Alors, attends. L'autorisation, c'est ça, en fait. Voilà. Ensuite. Ensuite, on appuie, je suppose, sur le bouton rouge. Voilà. Ça, c'est approuvé. On récupère le document. Hop. Voilà. Et on peut quitter le bureau maintenant.
Et ensuite, on va se diriger en direction de l'église. Et on va recevoir un coup de notre patron, Monsieur Mason. L'ignoble Monsieur Mason, même. Rien que l'intonation de sa voix, t'as envie de le gifler à travers le téléphone. C'est chaud, quoi. Je déteste les gens qui parlent comme ça. Oui, alors, ma chère Kate, ça devrait être facile. Vous retrouvez... Tu sais, les gens qui te... Oh, t'as l'impression de... Mais enlève-toi déjà l'énorme pouce qui est coincé dans ton cul avant de me parler, s'il te plaît. Allez, on remonte tout en haut. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas fait, ça me fait... Même moi, ça me fait bizarre, en fait, de... C'est pour ça que si je vous propose des solutions sur des vieux coucous comme ça, parce que c'est, en fait, ça me permet de les refaire et en même temps, ça vous permet à vous qui les ont peut-être pas fait dans le passé, de bah que ça vous tente de vous les prendre, quoi. Et en même temps, ça me permet de re-kiffer. Bah, les Black Mirror, pff, trop plaisir de les avoir refait récemment, quoi. Une tuerie. Ok, c'est parti. Allô ? Kate, alors, quelles sont les nouvelles ? On a un problème, Monsieur Marson. Quel problème ? Je vous en prie, Kate, ne tournez pas autour du pot. Il y a peut-être un héritier. Quoi ? Hans, le frère d'Anna Vorarlberg. Il semblerait qu'il soit toujours vivant. Nous ne pouvons pas racheter l'usine sans son accord. Qu'est-ce que vous me racontez ? D'où sort ce frère inconnu et où est-il ? Que dit le notaire ? Rien. Enfin, rien de plus. Vous savez, monsieur, c'est un étrange pays. Des gens curieux et des choses étonnantes. J'avoue être un peu perplexe. Je dois procéder à quelques recherches. Écoutez-moi bien, Kate. Universal Toys est l'un de nos plus gros clients. Alors, étrange ou pas, vous ne rentrez pas à New York avant d'avoir réglé définitivement cette affaire. Vous m'avez bien compris ? Oui, Monsieur Marson, vous pouvez compter sur moi. Je... Et mince ! Ouais, tu vois comment il parle ? Il est très très hautain. La vache ! Donc, on va sur la droite, nous. On va pénétrer dans le Saint-Christie, donc pas la peine de t'attarder à essayer d'ouvrir la porte, mon loulou, elle est fermée. Tu te doutes bien. Voilà, allez, hop là. Alors, direct. On va bouger la croix, de toute façon on voit sur le mur, hein. T'as vu c'est usé à force de la bouger. Voilà, récupère la petite clé qui va bien des familles. On se dirige vers la commode douteuse. Donc avec la clé, hop là, on déverrouille tous les tiroirs de du buffelier, quoi, carrément. Voilà. Donc attends, ici c'est une cochonnerie encore. Ouais, attends. Une. Deux. Voilà, donc dans chaque tiroir, normalement, t'as des cochonneries récupérées. Ah oui, non, ça, c'est le tiroir, oui. On récupère cette merde-là. On retourne dans ce tiroir. On active ça. Ça ouvre un double fond. On récupère la clé. Voilà. Ça, je m'en souvenais. Nickel. Alors... oui, alors attends, sur le bureau, il y a peut-être une confession de l'ancien curé qui doit traîner quelque part. Attends. Ah, non, c'est dans le tiroir, je crois. Oui, absolument. Hop, la lettre doit être ici, voilà. À mon successeur, monsieur le curé de la paroisse de Valadilem, le secret de confessionnal est un serment que nous ne devons jamais corrompre. Rompre. C'est pourquoi la révélation que j'ai fait aujourd'hui est l'aboutissement d'une difficile réflexion. Un jour de mars 1938, Rodolphe Vorarlberg est venu frapper à ma porte. À l'époque, j'étais tout jeune curé, très impressionné par la forte personnalité de l'homme le plus important de notre petite ville de Valadilem. Ce jour-là, je m'en souviens encore, il pleuvait sous ses cheveux... Attends, il pleuvait... Sous ses cheveux trempés, son visage traduisait une souffrance infinie. Il m'annonça alors, les mâchoires serrées et les yeux noyés de douleur, que son fils Hans venait de mourir et qu'il voulait que je vienne immédiatement bénir son corps. Quand je pénétrais dans le sombre salon de la maison familiale, le cercueil du jeune trônait au milieu de la pièce, fermé. Monsieur Vorarlberg m'expliqua qu'il ne souhaitait pas que l'on voie le cadavre de son fils, retrouvé, déchiqueté au fond d'un précipice.
un faux pas, une mauvaise chute, probablement du fait que, malgré ses 12 ans, le fils Vorarlberg n'avait plus toute sa tête. Alors, je l'ai cru. J'ai supervisé les funérailles, célébré la messe inhumée. La messe inhumée Hans Vorarlberg avec le respect qu'imposait cette tragédie, ainsi que la vie. Ainsi va la vie. Et j'aurais sûrement oublié cet épisode. Si quelques années plus tard, bien après la mort de son père, Anna Vorarlberg eut un accident à l'usine qui faillit bien lui coûter la vie. Est-ce d'avoir approché de si près la mort, le fait qu'elle ait souhaité que je l'entende en confession et elle ne m'avoie ce qui dorénavant allait hanter à jamais mes nuits? Le corps de son jeune frère Hans ne reposait pas dans leur caveau familial pour la simple et bonne raison qu'il était toujours vivant. J'avais béni et sacrifié un cercueil vide. J'avais participé et cautionné une mascarade organisée par la folie haineuse de Rodolphe Vorarlberg. J'avais été honteusement abusé par un homme qui préféra croire et faire croire à la mort de son fils plutôt que d'accepter son départ, considéré à ses yeux comme une trahison. Quelle sorte donc de curé avais-je été et pouvais-je être désormais? Notre Seigneur miséricordieux sera mon seul juge. Mais afin que vous voyez un meilleur, que vous soyez un meilleur pasteur, donc on sait déjà que le daron de Hans et de Anna, on voulait faire croire à tout le monde que Hans, du coup, était mort, clairement. Donc, on va direct en direction du petit mont de charge que vous avez vu, enfin de l'ascenseur, hein, clairement, de l'église. On va l'utiliser. Allez, viens ici, ma grande. Ah oui, donc c'est le fameux dessin qu'on a vu tout à l'heure. Alors attends, si je te dis pas de conneries, ça faisait ça. Attends. Ah bah de toute façon, on peut pas se tromper. Ok. Voilà. Allez hop. Putain, ce petit ascenseur extrêmement moderne. Ça couine un peu, mais ça fonctionne clair. Alors, attends. Une fois ici, on s'approche de l'automate. Ah, déjà, il y a des œufs ici. Je crois qu'il va nous les falloir après, si je dis pas de conneries, il me semble. Attends. Ok, donc là, on utilise la carte perforée. Voilà. Je n'ai plus besoin de ces cartes perforées. Ok, donc elle s'est débarrassée des cartes. Très bien, donc nous maintenant, on redescend. On va au fond du cimetière, justement. Et on va pouvoir utiliser la clé qu'on vient de trouver crantée là, dans la commode du prêtre. Sur le chapeau de l'automate. Finalement, la serrure se trouve à l'intérieur du chapeau. Au-dessus du caveau familial où soi-disant est enterré le corps de Hans Vorarlberg. Donc on va aller tout de suite s'assurer de ça. Une petite profanation, je ne dis pas non. Voilà. Alors attends. Toujours se mettre en plan rapproché. Hop, tac. Ok, nickel. D'accord. Ah, il y a qu'un seul caveau ici. Hans Vorarlberg, Anna Vorarlberg.
Voilà, on peut constater que c'est vide. Donc alors attends. Ok, donc maintenant les loulous, il faut qu'on retourne à l'usine, dans le bureau d'Anna, pour pouvoir écouter ce qu'il y a donc sur ce cylindre-là, puisque la machine se trouve dans la bibliothèque. Les petits allers-retours qui mettent très très bien. Alors, on va réemprunter la grande rue. Ah bah non, qu'est-ce que je raconte? Ah bah si, mais si. Mais moi je me croyais toujours dans le parc de la société, mais non, pas du tout, on est à l'église là. Elle fait du sport, hein. Putain, elle va le perdre son tarpé si elle continue comme ça. Cours pas trop non plus, parce que tu risques de perdre tout le tarpé, dis donc. Et ça, c'est sacrilège. On va pas se mentir, c'est extrêmement sacrilège, nom de Dieu. Alors, direction le bureau, donc premier chemin sur la gauche, première allée sur la gauche, pardon. Chemin, monsieur, c'est quand il y a de la terre. Calme-toi, quand il y a du pavé, c'est clairement une allée. Donc, calme-toi. Hop, allez, on y va, Balélu. Voilà. Quand même une sacrée usine mystérieuse et totalement intrigante, quoi. Comme elle a dit ici, les gens sont très bizarres et il se passe des choses un peu ouf. C'est totalement ça, quoi. Direction si bibliothèque Java, ouais. Anne, mais où donc te cachais-tu? Il faut rentrer à présent. Nous sommes très en retard. Anna, là-bas. Il y a quoi là-bas? Anne, je t'en prie, rentrons. C'est un secret. Il faut me jurer. Bon, alors voilà, je jure, moi, Anna Vorarlberg, je jure à mon frère Hans de ne jamais parler à quiconque. C'est là-bas! Regarde! Mais il fait tout noir là-dedans. J'ai pris une lampe à l'usine ce matin. Ne t'inquiète pas. Les filles, qu'est-ce que c'est bête tout de même. Tu feras moins le malin quand père s'apercevra que tu as volé cette lampe. Et voilà! À cause de toi, je suis couverte de boue. Regarde, Anna. T'as vu? J'ai vu des peintures comme ça dans un livre de la bibliothèque. C'est... Tu as juré, tu te rappelles? C'est un secret entre toi et moi. Regarde, il y a quelque chose là-haut. Oh, c'est pas vrai. On dirait comme un jouet. Je le veux. J'y vais. Éclaire-moi. Oh, Hans! Mais c'est beaucoup trop haut! Sois prudente. Hans, attention. Mon frère est resté de longues semaines entre la vie et la mort. Et quand un matin il a enfin ouvert les yeux, j'ai bien compris qu'il ne serait plus jamais comme avant. Nous ne sommes jamais retournés dans cette grotte. Et jusqu'à ce jour, je n'avais jamais trahi notre secret. Donc on peut constater que c'est une histoire bien triste. Donc il faut bien récupérer ça, le plateau. Et est-ce que j'ai récupéré le cylindre? Oui, très important de récupérer le cylindre. Ok, donc une fois ça fait, il faut retourner à la gare en fait. Donc, direction la locomotive. Ok,
c'est parti. Ah oui, il reste encore un petit micmac, mais vite fait à faire. Ça va pas trop être galère. Attends, la gare... Oui, la gare, c'est là. Ici, c'est la baraque. Si je dis pas de conneries, oui, on remonte déjà dans le wagon pour déjà déposer les deux items. Donc le plateau des marionnettes ainsi que le cylindre vocal qu'on a récup. Ensuite, faut donner le billet à Oscar. Et il va nous dire qu'il faut remonter la locomotive parce que ma poule, la locomotive, fonctionne... comment te dire ? Attends. Elle fonctionne à ressort, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Tu remontes un ressort qui fait tourner un gigantesque mécanisme et c'est comme ça qu'elle fonctionne. Voilà. Hop. Tu déposes ça comme ça, mon loup. Voilà. Alors, Oscar. Oscar. Hop. Mon billet de train, déjà. Tenez, Oscar, nous pouvons partir maintenant ? Non, il me faut l'autorisation de sortir. Je ne peux pas accepter ce billet pour le moment, Kate Walker. Gardez-le. Pourquoi ne voulez-vous pas de mon billet ? Kate Walker, je serai intransigeant. Toutes les conditions du départ n'ont pas été remplies. J'ai besoin de valider l'autorisation de sortie. Qu'est-ce que vous pouvez être pointilleux, mon cher Oscar ? Donc, t'as compris, il faut lui donner cette putain d'autorisation avant, quoi. Quel casse-couille, bordel ! Voici le document homologuant la sortie du train de Valadilène. Merci, Kate Walker. C'est parfait. Très bien. Maintenant, le fameux billet. Tenez, Oscar. Nous pouvons partir maintenant. Je ne peux pas accepter ce billet pour le moment, Kate Walker. Gardez-le. Je ne comprends pas pourquoi vous vous entêtez à ne pas prendre ce billet. Tout est en règle, et cependant... Voyez-vous, la ponctualité est... L'honneur du machiniste. J'ai bien retenu, Oscar. Et cependant, quoi ? Mais que se passe-t-il, Oscar ? Pourquoi ne rejoignez-vous pas votre cabine de pilotage ? Je crains d'être confronté à un problème mécanique, Kate Walker. Je respecte à la lettre la procédure de démarrage, et cependant, ce train ne veut rien savoir. Si vous le désirez, Kate Walker, je peux émettre une opinion personnelle à ce sujet. Eh bien, je vous écoute, Oscar. Je crains qu'on ait omis de remonter les ressorts de la locomotive. Qu'à cela ne tienne, faites-le, bon sang. Je n'ai aucune idée de la manière dont cela fonctionne, Kate Walker. Il semblerait que l'achèvement sommaire de mon processus de fabrication soit responsable d'une absence d'instruction à ce sujet. Eh bien, je vais m'en occuper moi-même. Ce mécanisme ne doit pas être bien compliqué. Attendez-moi, je ne serai pas longue. Merci, Kate Walker. Ok, donc on ressort, et on va aller s'occuper du mécanisme que je vous ai montré tout à l'heure. C'est à droite... Oh putain, j'ai cliqué en dehors de l'écran. Bon, voilà. Oh, j'espère que ça va pas me foutre le bordel dans le jeu, ça, les gars. Normalement, non, mais Black Mirror 1, ça le rendait totalement ouf. Non, lui, ça va. Ok, donc on y va. Bon bah tant mieux, si ça coupe pas le rec, ça fait pas bugger le jeu, c'est déjà ça. Donc c'est pas grave si je clique à l'extérieur, quoi. Allez, viens là. Lui, il siffle la même merde en boucle toute la journée, il passe le balai, quoi. C'est ça sa vie, le gars. Alors attends. Attends, Oui, non, je crois que c'est... Attends, comment... Ouais, voilà, c'est ça. Ah d'accord, la vache...
Nickel. On est bon, wesh. Alors voilà. Ok, donc maintenant on va pouvoir donner le billet à Oscar. On va enfin pouvoir partir vers une aventure, une longue aventure qui commence. Un long et beau voyage vers une destination encore inconnue, mes petits loups. Et ça va donc marquer la fin du premier chapitre de Siberia. Oui, Kate, c'est encore moi. Oh, Dan, j'allais t'appeler. Et bien sûr. Tu es fâché ? Je viens de téléphoner chez Marson & Lormont. Ils m'ont dit que ton retour n'était pas prévu pour cette semaine. Ah, oui. Et alors, quand comptes-tu rentrer ? Je n'en sais rien. Je n'y peux rien, la situation est délicate, tu sais. Au début de la semaine prochaine, sans doute. Ben voyons. Dan, un peu de patience, s'il te plaît. Les enjeux sont plus importants qu'il n'y paraît. Et tu sais combien je tiens à ce boulot ? Je présume que cela t'est égal de savoir que les Goldberg envisagent de... Oui, enfin, non ! Dan, ce n'est vraiment pas le moment. Je pense à toi. Je t'aime, mon chéri. Bon, je te rappelle dès que j'ai du nouveau. Promis. Je dois raccrocher maintenant. J'ai comme une sorte de train à prendre. Un train ? Mais où pars-tu encore ? Enfin, c'est insensé, Kate. À la vérité, je n'en sais trop rien. Je t'embrasse fort, tu sais. Kate ! Et donc là, on va du coup monter dans le train, donner le billet à Oscar et en route. Allez, hop, tac. Le billet, voilà. Tiens, mon loulou. Tout est en ordre, Oscar. La locomotive est fin prête à démarrer. Je suis réellement confus. Une telle ignorance de ma part est inadmissible. J'espère néanmoins conserver toute votre confiance, Kate Walker. Je vous prie de bien vouloir rejoindre votre place. Nous partons. Enfin. Ah, Oscar, il est dans un vrai game. Hein. Putain la vache. Regarde comme c'est beau, Bodoudou. Le turfu, wesh. Ok, donc c'est là que s'achève la première partie de notre solution FR sur Siberia 1, premier du nom si je puis dire. Hop, donc on se retrouve tout de suite pour le chapitre 2. Ciao ciao ciao.